C'est G.I. John Doe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Black Ops. Alors un petit peu de Black Ops pour vous les gens, j'espère en attendant que ça va très bien mon papa comme d'habitude. Ça va nickel, j'ai la patate et on se retrouve comme je vous l'ai dit sur un petit gameplay de Black Ops. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur ce petit gameplay de Black Ops? Il y aura tout simplement une petite tentative nuque. Est-ce que je vais la réussir? Est-ce que je vais pas la réussir? Mais là, je sais ce que vous dites, mais ce mec est complètement con. C'est un gameplay de Black Ops. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, cet abruti? Mais non, je vous parle d'une nuque à la BO2 sur BO1. Certes, je n'ai peut-être pas eu le titre, mais est-ce que je vais la rentrer? Je vais les rentrer, ces fameux 30 kills d'affilée sans mourir, Only Gun Streak. Est-ce que je vais le faire? Bah, réponse en vidéo, je vous laisse découvrir ça. En attendant, comme j'ai dit, hein, j'espère vraiment que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de proposer, de tenter ma chance sur des chaînes communautaires avec le sujet qui va suivre. Donc je remercie énormément par avance ces trois chaînes communautaires qui sont Code QG, Code CF et Play Family. Gros big up à eux et à ses abonnés. Un grand merci pour le plot s'il y en a, puis si c'est pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, il y a pas de problème. Bon. En attendant, qu'est-ce que c'est que le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo, bah, c'est très simple. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, mais beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Alors, je vais pas essayer de créer un mouvement de foule ou une guerre médiatique. Je n'en ai rien à cogner de ce qui a été dit à propos de ce sujet, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? Putain, dis-le-nous! Je vais vous le dire tout de suite, ne vous excitez pas. Voilà, donc ce sujet, c'est... Je sais pas. Non, je vais pas vous donner de nom précis pour ce sujet parce qu'il y aura pas de nom précis à donner. Mais en gros, il y a quelques jours, je ne saurais plus vous dire la date exacte. Je crois que c'était le 14 août, si je ne dis pas de bêtises. Le 30 août. Excusez-moi, je pars en steak. Le 30 août, sur Canal+, dans l'émission Le Grand Journal, a été, comment dire ça proprement sans énerver les gens. On va dire que Antoine Decaune et Mathilde Serrel, Antoine Decaune qui gère Le Grand Journal maintenant, ont créé un débat et ont surtout ouvert quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont, on va pas dire insulté, mais ils se sont ouvertement foutus de la gueule des gamers sur, non pas des gamers en proprement parler, mais plutôt des gamers sur YouTube, sur Twitch, etc. Donc les gamers qui postent leur gameplay, qui interagissent avec d'autres personnes. Voilà, donc bien sûr si vous voulez voir cette vidéo, elle sera en lien dans la description, je vous invite à aller la voir. Alors c'est tout simplement en gros, Mathilde Serrel qui faisait une chronique et qui parlait donc de ce phénomène qui est Twitch. Donc elle parlait de ce qui est du phénomène de poster ses vidéos en live sur Twitch pour que les autres la regardent. Et il en parlait de manière totalement dénigrante, c'est-à-dire qu'il... Ils insultaient, limite, ils se foutaient de la gueule des gens qui faisaient ça. Antoine Decaune l'a dit ouvertement, ils ont pas de vie, enfin bref. Je vous avais vu la vidéo, je vais pas m'éterniser. Et en gros, voilà, ils sont aussi foutus de la gueule d'un youtubeur en particulier, de quelqu'un qui postule pour Twitch. C'est PewDiePie, hein, on va dire que c'est la machine américaine, hein, c'est même mondial, je crois. C'est la machine au niveau du gameplay sur YouTube et sur toutes les plateformes qui utilisent ce système. Et ils se sont ouvertement foutus de sa gueule. Alors, faut savoir que si je fais ce sujet, c'est pas du tout pour dire ouais, allez signer tous la pétition, faites-nous des excuses, Canal+, on veut des excuses en direct, etc. J'en ai rien à cogner, honnêtement, ça me passe largement au-dessus de la tronche, j'en ai rien à foutre. Mais en plus de ça, de toute façon, même si vous voulez tous signer, vous êtes 2 milliards à signer la pétition, ils ne feront jamais d'excuses, et puis de toute façon, même s'ils en faisaient, ça n'aurait aucun sens puisqu'ils ne le penseraient pas. Voilà, donc. Si je vous parle aujourd'hui de ça, c'est un petit peu pour dénoncer un phénomène, c'est la crainte des médias de se faire dépasser par tout ce qui est les plateformes du jeu vidéo. Et c'est la crainte, et c'est dans cette petite vidéo de 2 minutes qui nous donne cet extrait du Grand Journal, on a tout qui nous montre qu'ils sont en stress, ils sont en train de se chier dessus. Alors déjà, premièrement,
On remarquera qu'ils se foutent de la gueule de comment de ces gens-là, notamment de PewDiePie, qui, vous le savez, hein, pour tous ceux qui le savent, PewDiePie, il est un peu fou dans sa tête. Le mec fait ses vidéos comme un peu à la Ouais, c'est Squeezie tout à français, fait ça, quoi. il en Il fait, pète des câbles, littéralement. il en Et donc, c'est la première chose de quoi ils sont foutus de la gueule. Donc, ils sont foutus, ils l'ont pris pour un débile, hein, concrètement. Ce qui m'a fait rire, déjà, en premier lieu, c'est que Mathilde Cérelle et Antoine Decaune se foutent de sa gueule, mais un truc de ouf. Est-ce que vous avez vu, pour ceux qui ont vu cette petite vidéo, comment elle fait sa chronique, Mathilde Cérelle? Est-ce que des gens l'ont vu? Non, parce que je crois qu'au niveau débilité, même PewDiePie, il aurait un bac plus 40 à côté, hein. Enfin, sans dire qu'il est débile, mais je parle au niveau de l'expression, hein, parce que je veux rien dire, mais Mathilde Cérelle, quand elle fait sa chronique, elle essayait de faire rire les gens en faisant des grimaces, etc. Ce qui n'était pas du tout drôle, et en plus de ça, on l'aurait vraiment pris pour une débile mentale, et elle ose à côté de ça se foutre de la gueule de PewDiePie. Enfin bref, ça m'a fait rire, c'est pas pour me foutre de. C'est pas pour insulter ou quoi, mais ça m'a fait rire, franchement, ça. On va dire que malgré. Même avec le fait qu'ils se foutent de la gueule des gens, ils utilisent quand même leur truc pour plaire aux gens. C'est-à-dire qu'ils voient quand même que ça marche, mais ils veulent se foutre de la gueule de la même façon, etc. C'est un vrai casse-tête, mais en gros, c'est toujours ça, les médias, c'est. Ils utilisent ce qui marche, même s'ils ne l'aiment pas et qu'ils le trouvent limite débile. Voilà, donc, et puis, alors, déjà, une autre chose aussi qui montre que les médias ont peur, c'est que Twitch, ça commence à devenir un vrai phénomène. Avant, ça existait, mais c'était pas aussi populaire, YouTube, etc. Et là, où on voit que Canal+, c'est quand même une grande, Ah ouais, la grande plus chaîne grosse carrière. française, Canal+, va aller se foutre de la gueule, limite insulter cette plateforme. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ont peur, mais ils ont une peur extrême de ce qui va se passer dans quelques temps, même s'il n'y Oh a aucune raison yeah. qu'ils aient cette peur, mais ils ont peur que les Que les gens plateformes telles que non. Twitch et YouTube remplacent Voilà. progressivement la télé et les médias et que leur audimat baisse. C'est la première chose dont ils ont peur. Et ça, je peux les comprendre parce que ça a été prouvé sur plusieurs, je sais plus sur quelle émission j'ai vu, mais que Twitch progressivement, toutes ces plateformes, eh ben, prennent du temps dans l'emploi du temps des gens, regardent, les gens qui regardent les vidéos n'ont pas le même temps pour regarder la télé, et puis tout Non, simplement, on en a marre des débilités qui voilà. passent à la télé et veulent regarder ce qui leur plaît. Hop, ils tapent sur YouTube, sur Twitch, et ils ont exactement ce qu'ils veulent. Voilà, comme ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à aller chercher sur la télé 36 ans à zapper, ils ont ce qu'ils veulent directement. Au passage, vous avez vu qu'il y avait Ah, un ok. petit invisible dans la partie, mais voilà, ça va pas trop Il y a m'empêcher de faire ce pas que je veux. de là, ok. Et donc, encore une autre chose qui Okay. prouve que les médias ont peur, c'est tout simplement. Je sais même plus ce que je voulais dire. Putain, je pars dans tous les sens. Voilà, c'est pas qu'ils ont peur. La deuxième chose qui fait qu'on voit que les médias sont jaloux, parce que oui, c'est le maître mot, hein, la Ah, c'est à jalousie. la folie, Quand ok, vous ouais, c'est regardez bien, c'est bien. ce petit extrait du Grand Journal, c'est la jalousie, hein. Vous voyez clairement qu'ils sont jaloux. Ils veulent même pas dire ce qu'ils veulent. Ils veulent même pas dire ça, mais ils sont tellement jaloux. Limite, c'est les boss derrière qui disent, oh, faut un maximum les dénigrer. Comme ça, les gens, ils vont voir que c'est ridicule. Et puis, ils vont arrêter de regarder. Ils vont revenir chez nous à la télévision, hein, ce qui est complètement con puisque ça n'arrivera jamais. Mais cette deuxième chose qui fait qu'on voit qu'ils sont jaloux, c'est qu'ils ont parlé de deux choses. Du salaire de PewDiePie, hein, de 5 millions par an, je crois, un truc comme ça, même si je pense que c'est un peu hyperbolé. 5 millions par an. On voyait que les limites, il y avait le rire qui était très jaune derrière, vous voyez, parce que eux, c'est leur vrai boulot, ils se lèvent le matin, ils vont se coucher le soir, ils ont pas le temps pour eux. Ils gagnent bien, mais ils gagnent pas autant qu'un 5 millions de PewDiePie que lui, qui lui, il fait ça uniquement en s'amusant et en jouant surtout. Imaginez comment ils sont vénères derrière assis leur cul sur un plateau de télé où il fait 50 degrés. Hein, imaginez le bordel qui se passe dans leur tête. Voilà, donc c'est la deuxième chose qui m'a fait rire quand ils ont parlé du salaire. Voilà, c'est explicite, hein, ils ont montré qu'ils avaient le seum, clairement, hein, franchement. C'était ridicule, moi j'ai trouvé ce passage tellement ridicule, j'ai vu un truc enfantin pour moi. Un gamin de 2 ans aurait pu faire la même chose en se foutant de la gueule d'un de ses potes parce qu'il était jaloux. Ça aurait été la même chose, franchement. Encore une chose qui m'a fait rigoler, je sais pas pourquoi je dis troisième. Encore une chose qui m'a fait rigoler. C'est le troisième commentateur là qui est une femme là, la brune, je sais pas son nom, je suis désolé, j'ai pas trouvé son nom. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Il y avait Mathilde Cérelle, Antoine Decaune et un troisième invité. Et quand je regardais ce troisième invité qui regardait Antoine Decaune et Mathilde Cérelle se foutre de la gueule littéralement de ces plateformes, je regardais cette femme et
Elle pensait la même chose que moi, je crois, parce qu'elle rigolait pas, non seulement, mais en plus, dans sa tête, j'imagine ce qui se passait, ça devait faire un truc du style, putain, mais moi, j'y vais sur ces plateformes, quoi, ils me prennent pour un con, je vais me lever, je vais partir, quoi. Non, mais c'est un peu ça, parce qu'elle rigolait pas, et puis, limite, quand vous voyez que Mathilde Serré, elle fait, je sais plus, à un moment, elle a dit, les géants, là, je sais plus comment, en prenant un air gogol, quoi, en essayant d'imiter PewDiePie, mais enfin, voilà, quoi, elle a pas le niveau, clairement. ça fait légèrement débile sur elle. Et même Antoine Decaune s'est foutu de sa gueule, moi, je vous dis, c'était... C'est pas, je veux pas dénoncer, je veux pas dire aller signer une pétition, aller tous me dislike ou je sais pas quoi, aller tous insulter Canal+, j'en ai rien à cogner, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai rigolé. Il y en a plein qui sont énervés devant cette vidéo, qui disent oh putain, comment ils parlent, je vais tous les baiser, sale pétasse, etc. Moi j'ai rigolé devant cette vidéo. Faut le prendre avec votre vue à vous. Vous le prenez avec votre vue à vous cette vidéo. Vous regardez, imaginez-vous un gamin de 2 ans qui fait la vie à son frère parce qu'il a eu un bout de chocolat en plus, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai rigolé à balle devant cette vidéo. J'étais mort de rire. Franchement, c'est un truc de malade. Encore une dernière chose, hein, parce que ça, je crois que c'est la plus importante. Rappelez-vous, Antoine Decaune qui dit, et vous verrez dans la vidéo, je ne vais pas reciter les passages, mais il a dit un truc du style, il faut vraiment pas avoir de vie pour regarder ce genre de choses, etc. Je ne veux pas vivre dans ce monde, etc. Enfin bref, le mec, il s'est complètement lâché, quoi. Est-ce que je peux vous demander, allez tous sur la chaîne de Cyprien Gaming le 14 août, et vous regardez sa vidéo. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mot à dire en plus. Et bah, vous verrez la tronche d'Antoine Decaune, assis sur le canapé à côté de Cyprien Gaming, Cyprien, pardon, et qui est en train de jouer à un jeu de course, je ne saurais plus vous dire lequel c'est, je suis désolé, qui joue à un jeu de voiture, et qui s'éclatait en faisant le gogol, limite pire que PewDiePie, et qui, lui, là, était très content d'être là. Hein. Il était très très content d'être là, bizarrement. Je sais pas, c'est... Par contre, dès que ça tourne autour de sa petite personne, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est plus aussi, t'as plus autant de vie, quoi. Enfin, justement, t'as plus de vie quand ça tourne autour de lui. C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, bref, pour quelqu'un qui dit qu'il faut pas avoir de vie et qui participe 2 semaines avant à une vidéo de ce style, c'est un petit peu moyen quand même. Enfin, bref, voilà. Mais bon, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Moi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Si vous l'avez pas fait, j'espère que vous l'avez fait avant d'écouter mon commentaire. Histoire que vous ayez votre propre idée à vous et j'influence pas. Mais bon, je pense que voilà. Hein. On est tous d'accord. Au passage, au niveau du gameplay, vous avez vu que c'était à 28. J'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas eu le temps. Enfin, bref, voilà. C'est dommage. Hein, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça? En attendant, moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.